Bonjour à tous, je suis ici avec Rodrigue du Vèvrehof. Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors bon, Vèvrehof, c'est pas une toute nouvelle maison puisque un week-end spécial se prépare le 10 et le 11 puisque le Vèvrehof existe maintenant déjà depuis 10 ans. Oui, cette année-ci, donc, on fête nos 10 ans, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait des portes ouvertes spéciales ce week-end, donc le 10 et le 11 juin. Et il y aura plein d'actions, en fait. C'est ça, oui. Bon, on va fêter ça dignement, je veux dire. Oui, certainement. Donc, de toute façon, donc, 10 ans, ça veut dire 10% de remise sur tous nos articles dans le magasin. Bien sûr, sur les koi et les poissons rouges, etc., il y a des autres promotions. Et en plus, on fait encore un tombola. Donc, à chaque tranche de 25 euros, le client reçoit un ticket de tombola. Et il y a 10 prix pour les 10 ans, bien sûr. Et le premier prix est de toute façon un Pont Nova 4. Il y a des koi à gagner, il y a des sacs de nourriture à gagner, enfin, tout plein de prix, en fait. C'est ça. Alors bon, bah peut-être qu'il y en a certains qui vont regretter que tu n'as pas 50 ans d'existence. Oui. Mais bon, ici, bien sûr, ça c'est pour la festivité, donc le 10 et le 11 juin, pour ces 10 ans. Et après, si vous venez jusqu'ici, je vous le conseille vivement, bien sûr, vous allez être surpris parce que c'est une toute petite porte d'entrée ici. Petite porte d'entrée, mais une fois qu'on est à l'intérieur et on vient dans la serre ici derrière, c'est très grand. Tout le monde est étonné qu'une petite façade à un magasin quand même si grand. Voilà, alors bon, ici on a parlé un petit peu qu'il y a des koi à gagner, c'est dans la tombola. En parlant de koi, on peut dire que tu as eu un coup de chance, je veux dire, parce que bon, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une très belle sélection ici de koi de chez Sakai Fish Farm. Oui, j'ai su acheter donc un beau lot chez Sakai. Il m'en reste encore pas mal. Ils sont très beaux et bien sûr, ce week-end-ci, il y a aussi donc des actions spéciales là-dessus. C'est ça, alors bon. Peut-être rappeler que tu as un site internet. On a un site internet www.devèvrehof.be. C'est ça. Alors, si vous ne trouvez pas, c'est pas compliqué. Vous allez sur Aquatech Nobel. Côté droit, il y a un bouton de Vèvrehof. Vous cliquez là-dessus. Vous arrivez dans le site. Et bien entendu, toutes les données, toutes les coordonnées, téléphone, les heures d'ouverture, tout se trouve dedans. Oui, tout se trouve dedans. Donc, on sait facilement me trouver. Alors, Rodrigue, tu es aussi occupé pas mal à faire de la construction et de création de bassins. Oui, on fait aussi les bassins, en fait. Ça commence avec les petits bassins naturels, des bassins koi, même des bassins de baignade. Donc, pour chacun, on sait réaliser ses rêves, en fait. C'est ça. Alors, bon... on avait déjà parlé avant, on n'a jamais eu l'occasion de le faire, de faire un petit tour ici, mais... Allez dans le site parce que vous aurez l'occasion de voir quelques réalisations que tu as faites. Oui, là, il y a déjà quelques exemples. Je dois encore faire un peu un update question ça. Mais bon, là, on sait déjà un peu voir ce qu'on fait. C'est ça. Alors bon, nous, on essaiera de prendre une fois le temps de quand même aller faire un petit tour. On va une fois essayer, enfin, moi, je vais une fois essayer de trouver le temps pour pendant un jour, une fois faire un petit tour chez les clients où on a créé un bassin. Pour une fois vous montrer le résultat final, en fait. C'est ça. Alors, ça, c'est pour l'immédiat, je veux dire. Donc, ces journées portes ouvertes le 10 et le 11. Oui. Mais il y a aussi des projets à plus long terme, et je pense notamment au Japon. Oui, donc, fin de cette saison, octobre, novembre, je compte aller au Japon pour une fois faire une beau sélection de koi. Mais pour ça, je vais vous tenir au courant, question par Facebook et par le site. Et probablement, on fera alors aussi un porte ouverte koi d'automne cette année-ci encore. Ouais, ça, on ne peut pas encore dire les dates puisqu'on ne sait pas quand les poissons vont arriver. Oui. Déjà, il faut qu'on soit parti là-bas et qu'on soit surtout de revenus. Et les poissons, ils arrivent plus tard. Et ça, on connaît les dates dès les moments. Oui. Par contre, bon, on aura l'occasion d'être ensemble là-bas, sans doute, Rodrigue, toi et moi. Donc, ça veut dire qu'on aura l'occasion de faire des reportages au Japon. Ce sera bien sympa. Oui. Vous aurez l'occasion de suivre un petit peu les sélections au fur et à mesure sur Facebook, parce que vous êtes aussi sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook, donc on peut là me suivre, même déjà maintenant, donc tout ce que je fais, en fait. C'est ça.
Alors, bon, voilà, ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Oui. Moi, je te dis ben, bonne merde, je dirais, comme on dit en français, pour ces deux journées de spéciales 10 et 11, pour ces 10 ans d'existence de Weiwerhof. Je te souhaite évidemment le meilleur pour les 10 ans à venir. Oui, ouais, merci. Et puis, merci. Et puis voilà. Donc, ben, venez dire bonjour ici, c'est pas très loin. Donc, de Weiwerhof, vous serez surpris de ce qu'il y a comme matériel ici et de la taille du magasin. Donc, et puis, vous aurez un très bon accueil de Roderick, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, Roderick, moi, je te dis à très bientôt. Et ben, en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut tout le monde, au revoir.